arrêtait pas de tomber. Tu la branches, tu craques. Il y avait de quoi dans votre vitre? Quelle vitre? Ici. Je parle au copain. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non? Continue! Ce matin, on fait la sauce à spag que prévu, telle que je vous l'avais mentionné. Fait que là, on a tout coupé les légumes, comme vous avez pu voir. Puis là, je vais vous montrer comment tout mettre dans la mijoteuse. Là. Je vous montrer, c'est un grand mot, là. C'est vraiment pas compliqué. Fait que, on fait ça. Vous avez la mijoteuse ici. Puis là, moi, je vais mettre une canne, comme ça, une grosse canne de tomates broyées, 796 ml. Là-dedans. J'ai pleuré. Il est triste. Tu veux-tu me donner l'autre canne? Ensuite, je mets... vous pouvez mettre une autre canne de tomates broyées, mais moi, je mets une autre canne de tomates en dés. Puis là, ben, je fais une petite variante à ma recette. D'habitude, je mets plus de jus de tomate, puis pas de pâte de tomate, mais là, je vais en mettre aujourd'hui. De tomate. C'est 48 onces, mais j'ai besoin de 40, puis un peu moins vu que j'ai mis de la pâte de tomate. Fait qu'en tout cas, je vais y aller à l'œil. À la pesanteur? Genre. Je suis rendue à peu près à la moitié. Ça, ça va être correct. Ça, c'est quoi? Une cuillère à thé d'origan. D'origan. Origan? Une cuillère à thé? Ouais. Ah! Tu as tout échappé dedans. Hein? Pas grave. C'est genre une cuillère à thé et plus. Une cuillère à thé et demi. Gratté et demi de basilic. Ok, après. Je sais pas ma propre recette, je tiens à dire. Je commence à la savoir, mais... 4 feuilles de laurier. Ça, là, c'est tellement bon, là, dans des recettes. Particulièrement les sauces à spag. On va dire que ça, c'est 4. Une demi cuillère à thé de piment broyé. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez ça épicé. Demi-cuillère à thé de poivre rouge. Poivre rouge. C'est tout? Sel, poivre au goût. Sel, poivre. Ouais. Pendant 8 heures, il faut qu'on fasse cuire ça, même un petit peu plus parce que les flantés, c'est vraiment long à cuire. Là, ouais, il va manquer les lentilles puis les légumes. Des fois, j'en mets un petit peu moins qu'une tasse. Ça dépend comment vous aimez ça. Là. Ça ressemble à ça. Toutes les épices sont là, les lentilles, le jus. Là, je vais mélanger un petit peu avec une grosse... Puis là, j'ai les légumes ici. C'est des carottes, des piments, des oignons, puis des céleris. Puis, ah oui, j'ai les gousses d'ail aussi. Attends. Puis là, on ajoute ça. Fait que là, je suis rendue à photographier une de mes recettes que j'ai fait pour avril. Puis, je suis encore mêlée entre deux plats, comme tout le temps. Là. Faut tout le temps que je choisisse entre deux bols. Puis, je sais pas lesquels prendre. Fait que je vais vous montrer. Il n'y a rien à faire encore, là. C'est vraiment juste le choix des bols. OK.
J'hésite entre celui-là que j'ai pris l'autre jour pour ma soupe à l'oignon ou celui-là. Puis là, ben, j'essaie de trouver des petites photos pour m'inspirer là, parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, aujourd'hui l'inspiration est vraiment pas là. En fait, c'est un potage poireaux brocoli. Que c'est ça. Je le mets, je sais pas si vous savez, là, en tout cas, je le mets tout le temps sur ma. Je mets tout le temps ça sur mon bureau. Là. C'est vraiment pas chic, là, mais c'est l'envers du décor. Hein. Fait que c'est une soupe, une genre de. Un potage en fait. Puis j'ai trouvé un petit peu liquide, fait que j'ai diminué la quantité de liquide là, pour la prochaine. En fait, là, elle va être un peu plus épaisse. Là. Mais le goût est vraiment bon. C'est vraiment bon. Fait que je vais regarder qu'est-ce que je vais faire avec ça. Puis je vous reparle. Bye! Je m'installe comme ça, puis je regarde ici qu'est-ce que ça donne comme image, puis je m'ajuste, puis c'est à partir de cette image-là que je vais arranger la table qui est là. Fait que on va commencer. Résultat final, j'ai mis la soupe là-dedans. Puis finalement, en épaissant, là, elle est vraiment belle. Là. Elle est vraiment plus épaisse. Puis là, ben, j'ai mis tout ça autour. Je vais rajouter un petit linge, puis après ça, je suis prête à finir. Finalement, j'ai décidé de changer le décor parce que je n'aimais pas ça. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et j'ai mis ça comme ça. Avec du blanc, finalement. Puis quand on regarde ici, là, je suis quand même vraiment contente. Là. Ça fait vraiment ressortir les bols, là, puis là, on a tout le fond blanc ici. Oh! Je viens de finir mes photos. Je suis épuisée. Puis là, il en reste un autre à faire. Je sais pas pourquoi, c'est assis, je suis vraiment fatiguée. C'est plus difficile. Dites-moi là dans les commentaires si vous aussi, vous sentez que la vie est dure, c'est ainsi. Je pense que c'est à cause du retour à l'école, les vacances, mais tu sais, j'ai pas eu vraiment eu de vacances, puisqu'on n'arrêtait pas, là. Mais... c'est vrai que j'ai vraiment profité de mes vacances. Puis là, ben, le fait de devoir recommencer, on dirait que ça fait beaucoup, là. Et ça va bien, là. Il va en rester juste une. Après ça, ça va être terminé. Puis je vais pouvoir me reposer ce soir. Puis demain, je recommence l'école. Oh my God! J'espère vraiment pouvoir éditer ce vlog-là avant que je sois dans le jus pour l'école. Puis pouvoir vous mettre ça... vous mettre ça bientôt. Puis il y a aussi le fait que je suis en congé le jeudi, fait que je vais pouvoir faire des vidéos. Je vais essayer de filmer des vidéos le jeudi, puis pouvoir vous en mettre en ligne. Fait que dites-moi dans les commentaires quel genre de vidéo vous aimeriez avoir, parce que je me questionnais là à savoir comment ma chaîne elle allait s'orienter. Je voulais peut-être faire, tu sais, je veux faire un peu de tout, puis on dirait que dans la vie, on est tout le temps là à se dire, ah, oh, ça te prend une ligne directrice, Mais moi, j'ai envie de faire des foires aux questions, des recettes, mais c'est aussi juste de parler comme ça devant la caméra, j'aime ça aussi. Même montrer mon linge, du style, de la mode, puis tout, j'aime vraiment ça. Fait que dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, là, parce que ça me chicote. Je vais vous montrer les photos, peut-être, si j'ai encore de la batterie. J'ai dit tout le temps que j'ai pas de batterie, mais je pense que c'est que j'ai plus de carte mémoire. J'étais en train d'éditer le vlog tantôt, puis je me suis rendu compte que j'avais pas conclu parce que plus de place dans ma carte mémoire. Fait que je vais vous dire merci d'avoir visionné. Puis je sais qu'on a fait beaucoup de recettes aujourd'hui. Toutes les recettes que j'ai fait cette journée-là, donc la sauce à spaghetti, puis la soupe poireaux et brocoli. La soupe poireaux et brocoli, elle va être là, elle va être bientôt sur le blog, mais la sauce à spaghetti est déjà sur le blog.
Et elle se fait à la mijoteuse, comme vous avez vu, puis c'est vraiment bon. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. On se dit à la prochaine.